tout est parti d'une première question à Cyril, parce que tout ne part pas pour Francis. Ça part déjà à la base pour Cyril Gane. Et je lui dis que Francis a déclaré que son combat face à Miocic, c'était le plus difficile et que ça laissait entendre que son combat face à Cyril serait facile. Elle est là, mon erreur. Non, mais laisse-moi finir. Arrête de crier. Je te demande de me laisser finir du début à la fin. D'un ton, là, et donc, je te dis, mon erreur, elle est là. Parce que dans mon anglais, je dis « easy » plutôt que « easiest ». Parce que finalement, ce que je voulais demander à Cyril, c'est est-ce qu'il considérait que son combat face à Cyril était plus facile ? Et ça, c'est clair. On a une interview, nous, RMC, où on pose la question à Francis et il le fait clairement entendre. Sa préparation pour le combat de Cyril, pour lui, elle était plus facile que celle face à Miocic. Donc, mon erreur, elle est là. Elle est là, mon erreur. Et après, Francis... Ouais, il a admis son erreur dans tous les cas, les gars. Il a mis son erreur, voilà. La pression. Et puis, il y a Ngannou qui reprend derrière. Francis a été excellent, et tant mieux pour lui, quelque part. Tu veux que je te dise, mon erreur, elle l'a fait mousser. Mon erreur, elle l'a fait mousser, elle l'a rendu encore meilleur. Et tant mieux, j'en suis content. Parce que j'adore Francis, contrairement à ce qu'on a pu vouloir nous faire dire qu'on était pro-Cyril ou que j'étais pro-Cyril, etc. Moi, je m'en bats les couilles des deux. Je suis aussi content pour l'un que pour l'autre. Et Francis, ça l'a fait mousser. Il a été super bon en interview. Il a eu de la punchline, il a eu de la répartie. Il s'est imposé comme un champion du monde. Tant mieux pour lui. Et tant pis pour moi. Mais après, moi, je suis un journaliste. Et je suis aussi capable de reconnaître mon erreur en disant « Bah, j'ai merdé. J'ai fait une mauvaise traduction, j'en suis désolé. » Par contre, le fond de ma question, elle était bonne. Que vous le vouliez ou non, quand je lui demande « Est-ce que ton combat contre Cyril est plus facile que celui contre Miocic ?» C'est une vraie bonne question. Vous le vouliez ou non, c'est une vraie bonne question. Mais sauf que l'erreur... L'erreur, elle fait tout changer en fait. Bah oui. Parce que là, toi, tu dis easy, tu dis pas easy yes. Mais je te l'ai dit encore. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu vois, j'en reviens à ta position tout à l'heure. Non, mais à partir du moment où j'ai fait mon mea culpa, en plus, je l'ai fait en direct. Ouais, voilà. Je l'ai fait en direct en lui disant, je reformule. Je lui ai bien dit. Je lui ai dit en anglais, je reformule. Donc, en gros, pour moi, vous voulez une espèce de débat et une polémique là où il n'y en a pas, juste pour dire que là, il ne sert à rien. Mais personne ne fait de débat. À partir du moment où j'ai fait mon mea culpa, en plus, je l'ai fait en direct. Ouais, voilà. Je l'ai fait en direct en lui disant, je reformule. Je lui ai bien dit. Je lui ai dit en anglais, je reformule. Donc, en gros, pour moi, vous voulez une espèce de débat et une polémique là où il n'y en a pas, juste pour dire que là, il ne sert à rien. Si je peux me permettre, les gars, après, bon, si c'est la seule chose qu'on a reproché à Samir en tant que intervenant RMC, c'est peut-être un peu léger quand même. I've ridiculed everyone on the roster. I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody.